Bonsoir. Merci d'être venu vous rassembler ici à la résidence à l'occasion d'un événement important. Car Monsieur le Ministre, c'est pour cette ambassade et pour toute la communauté française un événement très important de vous accueillir ici. C'est un événement important aussi d'accueillir notre député pour l'ensemble des pays d'Amérique du Sud. Monsieur le ministre, vous avez eu une journée extrêmement dense, extrêmement chargée, qui montre toute l'importance que les autorités péruviennes attachaient à votre venue. Et je crois que ce voyage aura beaucoup de conséquences, on aura beaucoup d'activités dans les mois qui viennent. Nous pouvons nous en réjouir. Mais avant toute chose, je vais vous laisser la parole pour vous permettre de vous adresser à cette communauté française qui est une communauté riche, diverse et dynamique. Merci. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le député, mesdames et messieurs, merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir pris l'initiative de ce rassemblement amical, chaleureux, sous un beau ciel. C'est vrai que cette journée a été assez bien remplie, puisque je le faisais remarquer en plaisantant au président de la République, qui avait la gentillesse de me recevoir en fin d'après-midi. Heureusement que les ministres français ne viennent pas tous les jours, parce que dans la mesure où au déjeuner qui m'a été offert, il y avait la moitié du gouvernement, le gouvernement péruvien ne pourrait plus travailler. Les relations entre le Pérou et la France sont depuis longtemps de très bonnes relations, mais il me semble que on a tellement été habitué à ce que les relations soient bonnes qu'on a fini par ne plus vraiment en avoir. Cela faisait assez longtemps, je crois, qu'il n'y avait pas eu ce type d'échange. Alors, on faisait toujours référence à du Petit Thouars, à Vargas Llosa, à Flora Tristan, très bien. Mais comme je le faisais remarquer en plaisantant à un de mes interlocuteurs du gouvernement, en français, nous disons souvent, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et donc, il faut quand même, de temps en temps, donner des preuves d'amour. Le président Humala est venu en France, c'était, je crois, au mois de novembre, et sa visite a été excellente. Il a invité le président français, et j'ai confirmé au président péruvien que vous aurez la visite de François Hollande. La date n'est pas encore fixée, je pense que le plus tôt sera le mieux. Pourquoi ? Parce que nous nous aimons beaucoup entre Péruviens et Français. Nous avons fait déjà pas mal de choses ensemble. Nous avons la chance d'avoir une communauté française dynamique, bien intégrée. Mais maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. Et l'avenir pour nos deux pays peut-être, doit être, un avenir de grande coopération et de grande amitié. Nous avons absolument tout pour nous entendre. D'abord, nous avons les mêmes valeurs. Nos amis péruviens font volontiers référence à la Révolution française, aux droits de l'homme, aux grands principes qui nous animent les uns les autres. Nous voyons avec plaisir que ce pays, qui a connu des périodes assez troublé depuis maintenant quelques années, acquis des taux de croissance qui, s'il nous en prêtait une petite partie, ne nous ferait pas de mal en Europe, et veut travailler avec nous. Les champs de travail commun sont infinis. Déjà, des décisions ont été prises qui vont tout à fait dans le bon sens. Il y a ce qui se fait entre nos instituts de recherche.
il y a ce qui se fait entre nos systèmes éducatifs et le fait que nous allons avoir désormais chaque année 500, je dis bien 500 jeunes péruviens, y compris issus de classes sociales très modestes, qui vont venir étudier en France. Le fait que je suis accompagné de responsables d'entreprise, je suis très heureux de les avoir avec moi, j'espère qu'ils ne sont pas malheureux d'être là et que je sois là avec eux. Des champs considérables dans le domaine des infrastructures, les transports, de l'eau, de l'énergie, de la santé, dans le domaine de la défense. Nous venons participer à une réunion, pour ça que nous sommes en retard, où le ministre de la Défense avait eu l'extrême gentillesse de réunir autour de lui les chefs des trois armées. Et nous avons pu discuter des perspectives en commun. Nous avons d'ailleurs décidé, c'est un souhait du président péruvien, et je sais qu'il est partagé par le président français, de nouer un accord stratégique dans ce domaine de la défense et de la sécurité avec, entre le Pérou et la France. Donc, le champ est considérable. Et nous voulons nous mettre au travail. Beaucoup de travail a déjà été fait, mais on peut aller plus loin. Quand je dis que beaucoup de travail a été fait, c'est vrai, et c'est en grande partie grâce à vous. Vous êtes dans votre diversité des serviteurs du secteur public, des représentants d'organisations non gouvernementales, des membres de professions libérales, des salariés, des enseignants, enfin la diversité de ceux qui ont choisi par vocation ou parce que c'était les événements de la vie, de donner quelques années et peut-être même toute leur vie à ce beau pays. Voilà, ma visite est donc très rapide. C'est très difficile quand on est ministre des Affaires étrangères et qu'on a à traiter des dossiers, non, le mot est impropre, des réalités qui s'appellent le Mali, qui s'appellent la Syrie, qui s'appellent, pour allonger la liste, c'est très difficile de prendre quelques jours pour ne pas être en France. Néanmoins, j'ai choisi, parce que c'est un choix du gouvernement français, de faire ce voyage en Amérique latine, dans trois pays, et de commencer par le Pérou. Pérou, demain, nous serons au Panama, après-demain en Colombie. Je reviendrai à l'automne, sans doute au Mexique, avec lequel désormais les relations peuvent être fluides. Et puis il y a le Brésil qui nous appelle, le Chili, où le Premier ministre était il n'y a pas si longtemps. Et puis. Mais c'est un choix, parce que l'Amérique latine est un continent de l'avenir. Longtemps, évidemment, il y avait cette proximité de sympathie, cette proximité idéologique, mais c'est loin. Bien désormais, nous avons choisi, quand je dis nous, c'est collectivement le gouvernement français, d'investir davantage de notre temps, de notre énergie, de notre amitié, de nos espoirs en Amérique latine. Et en Amérique latine, en particulier ici au Pérou. Tout simplement parce que la France doit être présente partout où se construit l'avenir. Et j'ai dit en le quittant au président Humala, le Pérou est un pays d'avenir à l'intérieur d'un continent d'avenir. Et donc vous me reverrez, si vous êtes là encore. Je reviendrai avec un grand, grand plaisir. Permettez-moi pour terminer de vous remercier. C'est pas toujours facile d'être à l'étranger. Bien sûr, on est dans un beau pays. En plus, cette saison-là est très agréable. Mais on sait bien que lorsqu'on est français ou binational et qu'on est loin de la mère patrie,
c'est pas toujours facile. Mais vous êtes tout à fait important pour ce que nous voulons faire. Je ne vais pas tenir des propos politiques, tel n'est pas ni le lieu ni l'occasion. Mais vous savez bien que la France, qui est un pays magnifique, qui a des atouts considérables, a besoin d'être redressée. Pas au sens où on dit des centres de redressement, pas du tout. Redresser sur le plan économique, il faut repartir de l'avant. Et il faut faire des réformes, et les réformes, on le sait bien, en théorie, c'est toujours facile, mais lorsqu'elles s'appliquent à toute une série de couches de la population, c'est beaucoup plus compliqué. Et néanmoins, il faut le faire. Non pas, comme on le dit parfois, à cause de l'Europe, non, tout simplement parce que le monde est en train de bouger, est en train de changer, vous le voyez bien, vous le vivez ici. L'Amérique latine, il y a quelques années, avait un côté un petit peu exotique. Oui, mais l'Amérique latine, d'ici peu de temps, elle aura la puissance économique de l'Europe de l'Ouest. Et dans le monde vers lequel nous allons, eh bien, la Chine, déjà 1,2 milliard d'habitants, l'Inde, où nous étions avec François Hollande l'autre jour, 1,3 milliard d'habitants, et quelques autres. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut retrousser les manches. Et pour ça, nous avons beaucoup d'atouts. Et l'un de ces atouts, c'est le fait que nous ayons la chance d'avoir beaucoup de compatriotes français à l'étranger. C'est un atout extraordinaire. Pas facile à vivre, toujours, pour vous, mais très important pour nous tous. Vous êtes donc des ambassadeurs. Il n'y a pas que vous, monsieur l'ambassadeur, qui soyez ambassadeur. Il y a toutes les personnes ici présentes. Et donc, vous portez dans vos choix, dans votre vie, j'allais dire dans votre comportement, sans avoir un jugement moral, une certaine image de la France. De cela, je veux vraiment vous remercier et vous dire tout simplement que, en quittant ce beau pays demain matin, très tôt, eh bien, je garderai le souvenir d'une communauté française dynamique, sympathique, que je vais maintenant aller rencontrer. Je vous souhaite le meilleur et je souhaite que dans vos vies individuelles, vous puissiez vous accomplir et que cet accomplissement soit aussi un accomplissement au service de l'amitié. Lorsque on voit les verres de champagne arriver et lorsque, avec un tact diplomatique, on vous explique que le temps est venu de conclure, eh bien, c'est un souvenir supplémentaire. Je crois que l'une des choses qui valent la peine de vivre, c'est une certaine dose d'humour. Il y en aura eu ce soir. Merci de ce que vous êtes. Vive le Pérou, vive la France et vive l'amitié entre le Pérou et la France. دايم الله مولانا دايم الله مولانا.